Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors après le passage de Dylan Thierry chez Samzira, où il répond à plusieurs accusations et explique que beaucoup de haters lui ont mis des bâtons dans les roues pour bloquer ses cagnottes, Abou a décidé de prendre sa défense. Pour lui, Dylan est un bon musulman qui fait du bien autour de lui. Et pour lui, beaucoup de personnes sont juste jaloux. Bien sûr, les internautes ont réagi sur Twitter. Je vous laisse avec quelques tweets et avec la story. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Petite vidéo rapide, salam à tous mes frères et sœurs. Par rapport à Dylan Thierry. Dylan Thierry, j'ai rien à gratter. Mais pour moi, c'est lui la victime. Il est victime de la jalousie des gens et de la mauvaise compréhension et du jugement de certains. Moi-même, Dylan Thierry, au début, je ne l'aimais pas. Je le portais pas dans mon cœur parce que il faisait des actions que je n'aimais pas. Mais on connaît pas le contenu des cœurs. Seul Allah sait. Et même moi, je l'ai vécu. Quand j'ai eu l'histoire et qu'une grande partie de la communauté de la Rouma m'ont traité d'hypocrite et ce genre de choses, alors que même eux ne se lèvent pas à 5 heures du matin pour faire leurs 2 unités, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Et je me suis remis en question. Concernant Dylan Thierry, ce mec-là, beau gosse, machin, télé-réalité, ok. L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Dylan, il est en conflit avec ça en lui-même. Il fait beaucoup de bien. Vous croyez qu'il fait de l'ostentation parce qu'il fait de l'humanitaire, etc. Il fait pas de l'ostentation. Il nous montre l'exemple. Allah, il a dit, on doit se concurrencer dans le bien. C'est pas parce qu'il a pas une grosse barbe, qu'il est pieux, c'est pas parce qu'il a pas tous ces éléments-là qu'il n'est pas légitime à parler d'islam. C'est vrai, il est préférable pour nous que ce soit un cheikh qui parle de ça. C'est pas le cas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà. Donc, tout le monde peut prendre la parole. Dylan Thierry, c'est un mec comme ça. C'est un mec comme ça. Je vous le dis. Vous ne l'aimez pas pour beaucoup. Mais moi, la vidéo qu'il a faite avec Samzira, là, ça m'a beaucoup remis en question aussi parce que lui, il a des cojones. Parce qu'il est allé jusqu'au bout de son raisonnement. Parce que même là-bas, en interview, il a assumé ses dires. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que il s'est pas fait défoncer. Et aujourd'hui, pour moi, Allah le récompense. Puisque aujourd'hui, la plupart des gens sont de son côté.